Bonjour à tous, ici 14 FRS 2507 Sébastien. Bienvenue ce matin dans une deuxième vidéo de présentation de l'antenne Moxon, du moins la partie assemblage donc de cette antenne. Donc l'assemblage est totalement terminé. Donc on retrouve donc ici la platine qui sert donc de maintien de l'antenne. Voilà le support bureau qui lui donc est en aluminium. La plaque qui sert de maintien et de support pour les quatre cannes à pêche qui sont elles boulonnées. Et donc j'ai réussi donc à trouver donc le bon angle, ce qui permettra donc de tendre un maximum l'élément filaire de cette antenne. Donc je reviendrai bien sûr sur une autre vidéo concernant la conception donc de l'élément filaire. J'ai trouvé donc un calculateur pour antenne Moxon. Donc l'antenne est franchement très légère, donc très facile à tourner. Pour ma part, je l'ai mis sur un support trépied appareil photo où j'ai réadapté donc ici un pied de lit que j'ai reboulonné avec le bon diamètre, comme si c'était mon diamètre mât basculant. Voilà. Donc ça avance tranquillement. À chaque bout des cannes à pêche, j'ai joint donc un petit crochet donc métallique où la cordelette passera ici à l'intérieur, et le crochet est vissé donc à l'intérieur. J'ai mis des chevilles plastiques collées à la colle chaude et le tout vissé, ce qui permettra d'avoir un bon maintien de l'élément filaire de l'antenne. Voilà, donc là on a la vue des cannes à pêche avec le bon angle. On en profite, on a encore de belles journées. Donc le projet devrait avancer assez vite. Donc les bonnes 73 à vous, bonne vidéo, et au plaisir de se recopier prochainement. 73 14 FRS 2507 Sébastien.